Allez, c'est parti, on reprend l'aventure. Bonjour tout le monde, c'est Cernaïs, Talalala. Et puis là, on est parti pour le 25e épisode de Native Expansion, le périple sur Mountain Blade Warband. Et là, on continue tout simplement à acheter des terrains, des entreprises pour continuer à nous assurer un revenu stable et prospère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque ici, au fait, monsieur? Du lin, du laine, de la laine, du fer. Pas de cuir? Ok. Bah, laine et fer dans ce cas-là. Hein. On va voir. Le fer. Pas rentable du tout. Merde, je voulais pas faire ça. La laine. je serai déficitaire si jamais je fais de la laine. Voilà. Et bon. Alors, ici. Ah, bah voilà. Très bien. Je veux. À moi. Et je crois qu'on va aller se reposer ici parce que je crois que j'ai vu des bandits assez méchants. Pas beau méchant. Ouais, bandits du désert. Donc, taverne. Taverne. Ministrel. Tiens, on va prendre les poèmes, tiens. Je ne pourrais simplement avoir des poèmes simplement quand j'aurai accompli quelque chose de spécial. Alors, je ne sais pas trop à quoi ils s'attendent, mais... Mais voilà. Du coup, ici c'est très bien, il n'y a pas de rançonneur, donc on attend gentiment. On passe la nuit, hein. On peut passer la nuit. Tranquille. Oula, par contre, si les Saramoches vont attaquer la ville, moi je vais la défendre et j'ai pas trop envie. Donc on se casse. Cassos, tant pis. Oh. Oh. J'ai bien envie qu'il se fasse prendre une rouste celui-là. A mon avis, ça doit être le problème de chevaliers noirs, c'est qu'ils sont très forts au début, ils tapent très très fort, mais ils n'ont pas d'endurance au long terme. C'est possible, hein. En tout cas, on verra bien. 37 chevaliers. Mais Lord Hugus, hein, c'est un type normal aussi. C'est pas un chevalier noir de base, donc il a dû être parti pour eux. Lord Delvian, ça je sais pas. Non, il a que des Swadian, putain. Les mecs, ils ont recruté la patate de monde, en fait. Caravane nordique. On évite de l'attaquer, ça sert à rien. En plus, on est pas assez nombreux. Enfin, peut-être que si, mais... Bon, c'est trop casse-gueule, je préfère pas. Merde, je voulais aller du Burka, en fait. Guild Master. Alors, le commerce ici. Le lin, le pot. Très bien. Donc pot, ça veut dire pas de cuir. J'imagine. On va essayer. C'est pas terrible. Entreprise. Du vin. Du raisin. Non. Du fer. C'est non plus. Du pain. C'est pas mal, mais c'est pas terrible non plus. De la bière. Ah, on se retrouve. Nickel. De suite, quand on dit bière, les gens sont contents. Allez, c'est parti. On va aller à... Bon, tant pis, on y va quand même. On fait un petit détour à Charize avant d'aller chez les Rodocs. Chez les Rodocs, c'est beaucoup de vin. Donc faudrait éviter le vin, ça serait pas du tout rentable. What? 87 et 502 prisonniers? Waouh! Oh, le pognon qu'on peut se faire si on prend la ville. Waouh. Créer l'entreprise, bien entendu. Pain? Non. Du fer, peut-être. Pas terrible. La velours. Pas non plus. Tissu. Naze. Linge. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, un petit détour chez les Rodocs. Et après avoir acheté deux entreprises chez eux, je pense que j'aurai plus de sous et ça serait nickel.
Ça serait nickel parce que j'aurais un revenu fixe et hebdomadaire. Qui serait mais juste trop génial en fait. Et un tournoi en plus, oh ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Guildmaster. Non pas ça. Commerce. Sel, huile, top de lin, l'énergie, fer. Ah, fer, ça me paraît pas mal. Ah oui, mais vu qu'ils en apportent pas du fer, créer des outils, ça doit pas être terrible. Huile. J'aime pas. Bah, et tout velours. Hein. Pff, minable. Du pain, pas terrible. Linge. Linge, c'est bien, mais j'ai créé pas loin, donc ça sert à rien. Tissu. Dis donc, elle est trop... Pas terrible, cette ville. Du vin. Ah, c'est pas trop mal. Bon, allez, ça fait de la concurrence, mais bon, tant pis. On verra bien. Et un petit tournoi tout mignon, tout beau. Il attend que nous. Oui, sans denier. Hop, c'est parti. Voilà, épée à deux mains, contre des cavaliers. Esquive ! M'attaque ce con. Il est tout seul contre... Contre 3, il se débrouille ce con. Tu t'es bien battu, soldat. Ta défaite ne sera pas vaine. Cours du concours. C'est parfait. Scream. C'est comme ça qu'on se bat, messieurs. Par contre, c'est vrai qu'il y a des arbalétriers ici. Faut que tu fasses attention. 2 pour 1. Je te prends revers celui-là. Ah, il me vise. Ah merde. Filou. Les feintes, ça sert tellement à rien, mais que. Ils réagissent, mais tellement pas. Vivez-toi les feintes, donc, avec les bots qui vous parlent la gueule tout le temps. Mieux à spammer un peu, puis attendre qu'il fasse une erreur. J'imagine. Crève. Toi, c'est fait, c'est une grosse. Grosse menace en moins. Oh. J'en meurs. Bon, les feintes avec le bouclier, ça va, ça passe. Avec les bottes au bouclier. Ah putain, la portée, mais. Dégoûté. Oh non, le coup des stocks, s'il te plaît. Hey. Bon, merci, je passe quand même. Le coup des stocks qui fait pseu comme ça, est dégoûté. Tiens, ta face. Putain, 18 points de dégâts. J'ai visé ou même pas la tête, en fait. Ah, il a bougé, l'enflure. Reviens ici. Rien à foutre de la bête. Over here. Esquive. Oh putain. Le nombre de rouges. Le nombre de rouges. Ah ah. Je préfère ça quand même. Une épée lourde. Qu'une épée à une main sans bouclier, personnellement, les gars, ça s'est fait. Archer en plus. Mais c'est dégueulasse de chambre avec la dague, monsieur l'arbitre. Merci. Ah là, il n'y a pas de surprise. Ah, j'aurais dû falloir se coucher, j'ai hésité, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est vrai que là j'ai tort, j'aurais dû la faire. Oh, comment j'ai raté. Pas permis pour un sou, ça. Demi-tour. Et en marche. Voilà. Nickel, nickel chrome. Ah, c'est combien là? 2 contre 2. Là, je sens les archers tout pourris. Esquive. Putain. Ça va, ils savent pas viser.
Tant que j'occupe l'arbre à l'étrier, enfin l'archer. Oh non, l'arbre à l'étrier, c'est en l'occurrence. Bouge ton cul, gros! Tu perds, mais j'en mets une. Ouf. C'est parti, c'est parti. Bien. Lol, lance couché contre quelqu'un avec une épée à deux mains. J'aime pas beaucoup, c'est trop risqué. Est-ce qu'il peut avoir une meilleure range que vous s'il la joue bien? Putain, il la joue super bien. Ça tourne. Bousculade! Ah, mais le problème c'est ça quoi, s'il n'y a pas d'allonge avec ça. Bon bah, lance couché, il n'y a pas le choix. Hein. Vu qu'il a pas envie de mourir. Par contre, on prend de la vitesse, que là j'ai pas eu assez de temps pour me mettre avec une bonne vitesse. Ça devrait être bon. Bien, nickel. Et c'est gagné. C'est gagné, très bien. Est-ce qu'il y a un rançonneur dans le coin? Ouais, je crois que lui, non. Oh, dégage. Franchement, dégage, j'ai pas envie de me battre avec toi. Kesta, Kesta, viens! Tiens! Voilà, on m'en fout. On vend l'épée. Voilà. Est-ce qu'il y avait, je répète, un rançonneur? Non! Donc, Cassos. Cassos, c'est Veluca, je crois que c'était fait. Non, c'était. Non. On avait fait Uxcal en fait. Non, Veluca, ça n'a pas été fait. Veluca, réputé pour ses vins, ses joyeux de le... ses joyeuses vignes et ses bandits des montagnes, bien entendu. Ah, voilà. Taverne. Alors je répète, monsieur le tavernier, avez-vous un rançonneur dans la salle? Fuck, je veux pas recruter de paysannes. Alors le commerce ici. Sel, huile, étoffe de lin, étage, fer, fer, outil, putain. C'est compliqué de bien se faire son beurre avec le fer, je trouve. Ouais, nul à chier. Ça, c'est à cause du rééquilibrage des... Ah, je veux bien, merci. Rééquilibrage avec la 1.158, ils ont rééquilibré l'aspect commerce de Calradia, donc du coup, bah voilà, c'est un peu... peu casse-couille de temps en temps de peu se retrouver. Parce qu'avant le fer il était vachement rentable en fait. Et là c'est plus tout à fait le cas. Il faut bien varier avec le cuir et le reste parce que sinon bah, on finit rapidement comme des couillons. Avec plein d'entreprises qui ne produisent absolument rien. Alors ici, cuir, il y a du cuir, enfin bon. Alors ça c'est du cuir. Ouais, on va voir autre chose. Ah, les velours. C'est pas trop mal, je prends. On sort de là. Et puis je pense que j'aurais fait le tour de toutes les entreprises à peu près. Voyez. Ah, donc Verscheg, c'est sous séquestre. Ils ont donc pris Verscheg. Ah ouais. Bon, on va se débrouiller pour la récupérer. Sinon, le reste. 2200 qui revient dans ma poche, donc c'est nickel. Très bien. Et donc là, j'ai pas non plus toutes les entreprises. Donc c'est nickel, donc j'irai pas mal de petits pognons. Il faut pas que je reste trop longtemps ici, parce qu'après je vais me faire défoncer s'il y a une guerre avec les Rodocs. T'es qui toi? Ah, dégage. Je vais pas me battre avec des pillards. Ah, donc il y a encore un truc à Révadin, très bien. Bon, bon, on y go, mon gigot. Apparemment, il y aurait un banquier. J'ai combien de sous? 28 000. Bien. Bandit des forêts. Ah, s'ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux ici. Si j'en prends un, ils vont être 4 sur ma gueule, donc c'est pas la peine. Un peu comme ça, voilà. Comme on le disait. Par contre, cela, rien ne nous empêche de les buter.
Voilà. Oh garde, faisant. Tu vas mourir. Restez ici. Et j'ai oublié de mettre Nazir en plus en tant que. En tant que cavalier. Faudrait vraiment que j'y pense. Et là-bas, les cons. C'est la fête au village! Ouais, oh, doucement les gars avec vos haches. Laissez-vous tuer sans peine ni grâce. Je ne voudrais pas vous soustraire à vos obligations. Pignouf. Prennent dans la gueule, n'empêche, c'est égal. J'admire leur dévouement à la cause des brigands. Ce sont de véritables chevaliers. Puis on recrute tout ce qui se passe. Allez, on prend tout, on s'en fout. D'habitude, je le ferais pas, mais là, je le fais. Putain, ça se vend bien, ça aussi. C'est un peu le bordel au niveau de mes armées, mais bon, on s'y retrouve un peu. Il y aura une purge un jour, il y aura des gens qui vont crever, donc c'est bon quoi. 3000 pièces d'or récupérées. Bien. Et j'avais pas encore toutes mes entreprises là-dedans. C'est nickel! J'ai atteint mon objectif. Ah, j'ai plus de tournoi. Bah, j'ai envie de dire merde. Hein. Pas non plus de rançonneur itinérant. Et Rogleck, tu fais chier. Après, on m'a dit un truc qu'on pouvait être vassal dans ce mode si on pouvait aussi bidouiller un peu dans les options du mode. Ah, par contre. Est-ce que c'est ça peut-être? Ah non, non, ça c'est pour acheter, ça sert à rien. Ah, c'est là. Do not allow land to demand fief from the player. Do not allow land to rebel from the player kingdoms. Alors, celle-là, je vais les activer. Ah oui, mais je peux pas faire ça parce que je suis en mode brutal. Et le mode brutal, je peux pas les activer. Soyez braves! Bon, ouais, donc là, je ne peux pas faire ce que je veux. Je peux pas devenir vassal en bidouillant les options. Vu que je suis en mode brutal, il veut pas. Vlan, où se trouve Vlan? Eh, couillon! Yes, sir. Où se trouve quelqu'un? Le maréchal Vlan. Dramug, le château, pourquoi pas? Allez, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une petite campagne. Je sais pas où c'est, Dramug. Ah, c'est là. C'était juste à côté en fait. Donc il est là. Allez, cours. Il y a un bleu ici, mais on l'évite. Quoi qu'on pourrait se le faire en fait. Mais il est trop rapide. Tant pis. J'aimerais vraiment pouvoir vendre mes conneries. Il va prendre Sargotte? Ah, c'est couillu. Putain, s'il élimine les Nordiques, ça ferait une bonne masse en moins, mais d'un côté. Bon bah, allons-y. Ah non, il prend pas la ville. Le sport, Roi Ragnar quand même, il faut pas déconner. Plein. Plein. Voilà. Voilà, c'est parti. En plus, j'ai une bonne réputation avec lui. Bon.
Allez, allez! Faites-moi un truc. Non, si pour aller récupérer du bétail ailleurs, tu vas aller te faire foutre, mais une puissance infinie. Le château, c'est à nous, hein? D'accord. Assiégé en plus. Oh les couilles. Y a pas beaucoup de pas beaucoup de ah, de garnison. C'est un combat ici et c'est la mort, hein. Quoique non, y a le roi, donc c'est nickel. C'est parti, la boucherie. J'aime bien cette armure quand même. Elle est classe, hein. Par contre, les gars, vous restez là. On va laisser nos seigneurs aller au casse-pipe, ça n'en vaut pas la peine. Ils attaquent? Ils attaquent! Ah, go 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 go! C'était tenté. Oh la chambre à la mort, ça me dégoûte ce truc comme ça. Y'a que des bots pour faire ça, honnêtement. Dessus, mais d'une puissance. Bon, c'est fait. Ah, mais tu es libre de partir. Je ne t'en veux point. Mais toi, tu m'aimes pas du tout, Miringa, mais c'est une puissance aussi, ça. Bon. Oublions tout ça. T'as pas compris. N'intéresse pas tes missions à la con. Rendez-vous mourait, c'est parti. Tendu comme combat, tendu. Mais on peut le faire, on peut le faire. Si vous faites pas trop les couillons, les gars. Ah, les archers ici, parfait. Là-haut. Nous allons prendre l'avantage là-haut. La garnison ne se fera pas perdre. Il n'y a pas de bruit, c'est bizarre. Bug de son. Par contre, j'ai pas de soldats avec moi. Bon, tant pis, allez en combat parce que sinon après. Puis ça fait de l'XP. Bon Dieu, tant pis, c'est pas organisé. J'ai que 26 hommes, ça ne servira à rien. Tant qu'ils avancent dans le tas. Pourquoi c'est des rodocs? Encore un seigneur qui s'est enfui quelque part. Trahison, coupable. C'est qui lui? Putain, faut s'y retrouver là dans ce merdier. Oh lui! Tuez-moi ce nordique avec sa hache complètement pétée! Ah merde! T'as pas eu toi! Heureusement t'es aussi con qu'une barrique! Il est con comme une barrique! Va se coucher! Va se coucher! Gage, oh merde! L'arbre, 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 l'arbre! Merci les gars! Merci les gars, vous m'avez bien aidé! Dégage le seigneur, je crois que t'étais un seigneur. On se couchait. Bien. Bon, je sais pas ce qu'ils font mes alliés, mais en tout cas moi je me dégoupille plutôt bien. Aïe ouille, c'est au moment où je dis ça que forcément je m'en prends une. Dégagé. Fuck, c'est un allié. On barre là. Mon cheval est mort. Merde. On se remplit. C'était 27, 58, 128. On quitte le combat, bien entendu, on peut pas faire face.
trop de beau monde ici. Et là, ça passerait. Non? Et là, ça passerait. Bon, bah, allons-y. Bon. J'ai plus de canasson, ça serait le moment d'en acheter un. En plus, c'était boiteux l'autre. Bon. Il était temps de le changer, on va dire. Oh, vraiment classe l'armure, j'aime beaucoup. Le casque qui fait un peu défaut par rapport à ça, mais. On trouvera bien un beau casque. J'aurais dû prendre mon arbalète pour le coup, là c'était pas... Ouais, bon c'est pas grave. Ah, donc c'est ça les arcs pétés. Ils m'ont l'air de tirer super vite en tout cas. Bon, je suis à peine arrivé, c'est déjà un carnage. Ou pas? Ok, ils sont morts. Ah, c'est chiant de ne pas pouvoir faire grand chose. Ah, j'ai perdu un type. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était un petit combat tranquille. On va s'arrêter là, je suppose. Enfin, faut quand même que je retrouve mon cheval, en fait. Bon, allez, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, salut à tous!